solo voy con mi pena, sola va mi condena. Je voulais juste souligner le lien évident, mais qui n'a pas été souligné, entre quand même, la stratégie du CNRU et ce débat qu'on a sur la gauche. Parce qu'il ne faudrait pas croire, et personne ne peut croire, que ce débat arrive aujourd'hui, un peu comme un cheveu sur la soupe, ou même qu'il est arrivé il y a un an. Enfin, aujourd'hui, on va dire peut-être publiquement devant tous les adhérents, ou même il y a un an quand on en a parlé en Conseil national. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 2 ans, il y avait François Asselineau à la tribune et que visiblement, ça avait choqué personne. Donc, c'est un peu curieux, enfin, en tout cas, moi, il y a une erreur de logique à me dire que on peut encore être sur la position, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui, hein, c'est dans nos statuts, c'est marqué que notre objectif c'est de contribuer à la formation d'une grande force politique de gauche. Il est évident qu'il y a déjà 2 ans, on était en contradiction avec cet objectif. L'appel qu'on a défendu cette année, il n'y avait pas le mot gauche dedans, c'est évident. Il y avait la résistance à l'Union européenne et sur des bases refusant la xénophobie et le racisme. Et tout le monde a analysé ça, évidemment, en disant qu'on ne s'adressait pas aux gens de gauche, mais qu'on s'adressait à un spectre beaucoup plus large. Moi, c'est la première réflexion que je me suis faite. On n'a pas filtré les signataires. Donc, statistiquement, on a eu des signataires qui pouvaient se définir comme étant de gauche et qui pouvaient se définir comme étant de droite. Et ça, curieusement, ça n'a choqué personne non plus. Donc, il y a une logique évidente à dire aujourd'hui qu'on ne peut pas défendre encore aujourd'hui l'objectif de promouvoir la création d'une force, d'une grande force de gauche. Ou alors, c'est remettre en question non seulement tout ce qu'on a fait depuis au moins 2 ans, mais remettre en question aussi l'objectif futur de continuer sur le CNRU, sur les CDRU. Donc il faudrait nous expliquer, ceux qui défendent encore l'idée de gauche, qu'est-ce qu'ils nous proposent pour l'année prochaine, par exemple. Voilà. Donc je précise que j'ai opté pour la tendance une telle, ce que ça veut dire. Tendance de une qui dit qu'elle ne fera plus référence à la gauche dans son discours. Ça m'arrange, moi, parce que en fait j'ai plutôt une éducation de droite. j'ai passé toute ma vie et toute ma carrière dans le privé parce qu'il fallait surtout pas parler de la gauche sinon on se faisait virer. Arrivé fin de carrière, je suis même au long de ma carrière, je me suis quand même rendu compte qu'il y a des choses qui ne tournaient pas rond dans la société. Et donc, quand je risquais plus de me faire virer, je me suis rapproché de la politique. Et puis j'ai trouvé le PEP qui ne faisait pas référence déjà de la gauche dans son titre. J'ai dit, tiens, je vais aller là. Et puis bon, il avait des engagements qui me plaisaient quand même et puis qui semblaient être en faveur de la justice sociale. Donc au MPEP, j'ai appris toutes les valeurs, toutes les grandes belles valeurs de la gauche, qu'effectivement, la justice sociale ne pouvait passer que par la gauche. Donc ça fait depuis 2010 que j'apprends à parler gauche. Mais quand je suis avec des amis, des fois, j'hésite trop à parler de gauche parce que je n'en suis toujours pas très fier. J'ai toujours un peu honte de dire que je suis de gauche. Enfin, quand même, j'ai fini par me dire, pas dire, il faut être de gauche, quoi. Et puis j'ai entendu Sarkozy, avec la rentrée, faire sa rentrée en septembre, qui a dit le clivage gauche-droite aujourd'hui c'est terminé. Sous-entendu, les prochaines élections, ça se fera tous ensemble, tout le monde a compris ça, quoi. Et puis ce soir, j'entends faire l'historique de la gauche, de toutes les trahisons de la gauche qui remontent à 2 siècles.
Je suis perturbé. Je suis perturbé parce que bah, pendant qu'on a dit toutes les qualités qu'on pensait de la gauche, et bah, qu'est-ce qu'il en était de toutes ces trahisons dont on ne parlait pas? Et que dont aujourd'hui on fait toute la liste. Alors faut essayer de me remettre de l'ordre dans mes idées parce que je suis perdu. Yann, tu disais je comprends plus rien, mais on avait la stratégie des deux axes. C'est-à-dire une ouverture effectivement à tous les républicains pour sortir de l'Union Européenne, mais en restant sur des valeurs de gauche, parce que moi je maintiens qu'il y a des valeurs de gauche. Tout à l'heure quelqu'un à la tribune, je ne me rappelle plus parce que bon. On va parler de la liberté. La liberté, c'est une valeur de droite. Je vous rappelle qu'au moment du TCE, on s'est battu contre la liberté au principe du « c'est le renard libre dans le poulailler libre » et que la liberté, ça a toujours été des valeurs de droite. Que la gauche, elle défend l'égalité. Or, l'égalité, je suis désolée, le Parti Socialiste n'a jamais parlé d'égalité, ce qui montre bien qu'il n'est pas à gauche, parce que la gauche, c'est l'égalité, c'est la redistribution des revenus, c'est effectivement un monde solidaire. Or, je m'excuse, mais pour l'instant, ce monde solidaire, je ne le vois pas. Donc effectivement, le MPEP, pour l'instant, il va ouvrir... En fait, on cherche une niche politique, on cherche un espace. Maintenant, moi, je voudrais bien savoir ce que vous nous proposez. Parce que tu disais, 36, c'est la grève générale. Et pourquoi il y a grève générale en 36? Si ce n'est pas parce qu'il y a un gouvernement qui a été élu, qui peut laisser espérer aux ouvriers qui ne sont pas seuls face au patronat et qui vont pouvoir gagner. S'il n'y avait pas eu un gouvernement de Front populaire élu en 36, il n'y avait pas de grève générale. Et si aujourd'hui, effectivement, on est dans la, je mets plein de guillemets, excusez-moi, mais si effectivement on est dans la merde et dans la régression sociale, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas de perspective politique. Et c'est pas... c'est pas en tout cas, en défendant des points de vue, en disant il n'y a plus de gauche, il n'y a plus ni gauche ni droite, etc., comme il n'y a pas de valeur de gauche, il y a, etc. C'est pas comme ça qu'on va ouvrir des perspectives au peuple de France. J'en dis pas plus parce que je suis absolument accablée par ce à quoi j'ai assisté hier, ce soir. Vous avez annoncé des tas de trucs comme si c'était des vérités. Je voudrais reprendre tout ce que vous dites et reprendre point par point. Il y a mensonge sur mensonge. Enfin, en tout cas, il y a interprétation historique. On dit que l'histoire, c'est un passé composé, mais il y a des interprétations. 48, la gauche, mais non. Gilles, il vient de dire, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas d'idéologie gauche, il y a des républicains, ce sont des républicains. Quand Thiers, il arrive au pouvoir, les monarchistes, comme les monarchistes, ils sont encore trop progressistes pour lui, il dit, je serai républicain. Mais la République, elle sera conservatrice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'allie avec Bismarck, précisément, comme l'a fait Pétain avec Hitler. Alors Pétain, c'était plutôt Hitler que le Front populaire. Et Thiers, c'est plutôt Bismarck, plutôt la Prusse que la sociale. Donc, qu'on ne me dise pas que Cavaignac, etc., sont des gens de gauche, ce sont des républicains. C'est pas pareil. Je voudrais d'abord dire que François de Corrèze, ce qu'il dit est très intéressant. Parce que il dit que ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'étiquette gauche, droite, etc. Et qu'en fait, ce qui perturbe les choses, c'est le jeu des étiquettes, la valse des étiquettes, en quelque sorte. Il rejoint le MPEP, François, ce qu'il nous dit, ayant une culture de droite, une éducation de droite. Et il nous rejoint sur quelle base? Pas parce qu'on propose une grande force politique de gauche. C'est pas pour ça qu'il rejoint le MPEP, si j'ai bien compris. Il nous rejoint sur des contenus concrets. La justice sociale, l'indépendance nationale, la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne. Mais il n'y a que ça qui compte. Les contenus concrets, sinon, on est dans la métaphysique, dans le débat, sans aucun intérêt sur les étiquettes. C'est ça qui compte. Et l'arrivée de François Wempep montre le potentiel que nous avons. Parce que se recroqueviller sur de vieilles étiquettes jaunies, ça ne peut que réduire notre influence. Alors je veux lire quelques lignes de cet ouvrage « Histoire des gauches en France » en deux volumes, sous la direction de Jean-Jacques Becker et Gilles Candard,
qui sont des socialistes, hein. Ce sont des socialistes, mais ils ont fait appel à un certain nombre d'historiens de sensibilité variée. C'est le seul ouvrage aussi complet sur l'histoire des gauches. Et il est intéressant, il faut le lire aussi avec évidemment quelques précautions, mais voilà ce que dit Maurice Agulon, qui est une grosse pointure parmi les historiens, socialiste lui aussi, hein, de cœur. Voilà ce qu'il dit. Je cite, là, si vous permettez. « Nous arrivons ici à une difficulté sensible à l'opinion contemporaine, surtout dans ces secteurs les plus nourris de marxisme, d'ouvriérisme ou de populisme. L'idée de maintenir le diagnostic et l'étiquette de gauche à Boissy-d'Anglas, à Cavaignac et à Thiers scandalise tous ceux qui, portaient par de sympathiques sentiments humanitaires, et entraînés à lier le mot de gauche à l'idée de bien, excluent Cavaignac et consorts de la gauche parce qu'ils ont été méchants. Un homme de gauche qui réprime une émeute se comporte en droitier, donc s'exclut de son camp. Cette analyse sentimentale ne peut totalement convaincre. Comment retirer, par exemple, la qualité d'homme de gauche au républicain Cavaignac et à ces dizaines de représentants du peuple qui le soutenaient et qui, après avoir réprimé Juin, ont toujours combattu le parti de l'ordre et résisté au coup d'État de décembre 1851. Ou encore, comment oublier que Thiers, brutalement antipopulaire en 1848 et en 1871, a pendant tout le reste de sa longue vie toujours lutté dans le sens libéral contre les forces du passé jusqu'à fonder la République. C'est Maurice Agulon qui dit ça. Je crois qu'il faut se débarrasser des préjugés, des mythes qui ont été transportés sur cette question de la gauche. Un dernier mot. Moi, je trouve que ce que nous avons entendu ce soir à la tribune est tout à fait exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est une qualité absolument remarquable, parce que ça nous aide à regarder la réalité en face, à sortir du déni, parce que bien sûr c'est extrêmement difficile, nous sommes tous, la plupart en tout cas d'entre nous, issus de ce courant d'idées que nous qualifions de gauche, et nous sommes face au vide de la gauche aujourd'hui, pas seulement en France mais dans la plupart des pays européens. Alors, c'est douloureux, bien entendu, c'est douloureux de voir cette déliquescence à laquelle nous assistons depuis des années. C'est douloureux de se remettre en cause, parce qu'on se dit, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent? Je me suis battu à gauche, etc. Et puis, on me dit que tout ça, ça n'existe pas, c'est un mythe. Donc, c'est tout à fait compréhensible que devant cette peur du vide, eh bien, on ait un peu le vertige. Mais je pense que le rappel à la réalité dans lequel nous sommes engagés est salutaire, parce que même la gauche de gauche, c'est vrai, on peut se dire, oui, on est d'accord avec vous sur l'analyse du Parti Socialiste. Mais pour le reste, vous exagérez. On ne peut pas mélanger les uns et les autres. Mais ça a été dit, je pense que, hélas, bien entendu, hélas, mais la gauche de gauche, celle qui se qualifie comme cela, elle est pareille. Parce que sur les questions essentielles, ça a été dit, sur la sortie de l'euro, sur la démondialisation, le front de gauche, l'extrême gauche, ils ne sont pas d'accord. Ils sont pour le système actuel. Et donc ça, c'est quand même un élément essentiel. Comment s'allier avec eux dès lors que sur des questions aussi fondamentales, ils sont sur les mêmes bases que l'EPS et que la droite? Mais ça n'est pas fini, parce que leur stratégie, au front de gauche en particulier, c'est de peser sur le Parti Socialiste pour le faire pencher un peu plus à gauche. C'est ça la stratégie du front de gauche. Pour ensuite entrer dans un gouvernement dans lequel le rapport des forces serait modifié entre Parti Socialiste et Front de Gauche.
Front de Gauche, n'est-ce pas Jean-Luc Mélenchon qui a proposé d'être Premier ministre de François Hollande? Enfin, il y a des faits, il suffit de les connaître. Et puis, le PCF, aujourd'hui, on voit ce qu'il est en train de faire. Ceux qui lisent l'Humanité verront qu'il y a tous les jours dans l'Humanité, la parole donnée à un socialiste, soit un socialiste frondeur, soit un socialiste ceci, ou un socialiste cela. Mais dans quel but? Dans le but de préparer les esprits à une nouvelle alliance avec le Parti Socialiste. Parce que quand on regarde le programme des frondeurs, des je ne sais quoi, des socialistes ceci ou des socialistes cela, ils sont peut-être pires que les socialistes, disons, normaux sur la question européenne. Et donc, pour terminer, je veux dire que, en effet, ce n'est pas un débat académique, il faut en tirer des conclusions pratiques de ce débat. Les conclusions pratiques, c'est très clair, c'est de construire autre chose, c'est un nouveau sujet politique, comme disait Rossana tout à l'heure, ce matin. Et qu'est-ce que c'est un nouveau sujet politique? C'est de renouveler la pensée, la pratique du mouvement ouvrier, de redonner des cadres de référence pour repartir de l'avant. Et c'est bien ça dont il s'agit. Avec qui on va le faire? On va le faire d'abord avec ceux qui sont déjà d'accord avec tout ce qu'on dit. On est trop petit pour aller essayer de convaincre des gens qui sont loin de ce que l'on dit. Rassemblons d'ailleurs d'abord autour de nous des forces qui sont déjà d'accord, parce que nous allons grossir plus vite pour ensuite affronter le reste de la population à partir, en effet, de nos idées. C'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique. On le partage ou on ne le partage pas. C'est l'avenir qui dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais en dehors de ce choix stratégique, il n'y a que la participation à la lente agonie de la gauche. J'ai bien entendu tout ce qui s'est dit ce soir, j'ai appris plein de choses, je repartais beaucoup moins bête qu'en arrivant, merci messieurs. Et j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup aussi avec les copains de la tendance 2, en fait, qui sont attachés à ce mot gauche. Et on a une particularité dans notre département, c'est qu'on travaille beaucoup avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à distribuer les tracts sur les marchés, dans les usines, à la faculté, ce qui fait qu'on côtoie quand même beaucoup de monde, y compris beaucoup de jeunes. Et j'ai l'impression, alors peut-être que c'est une idée que je me fais, mais j'ai l'impression que ce problème du mot gauche qui apparaît ici ce soir, il est, alors c'est une chance pour nous et ça devient un problème également. Je crois que c'est juste parce qu'on est un peu en avance sur la date. Je crois que naturellement, il va s'effacer. Quand on parle aux jeunes de 20 ans, du mot gauche, ils n'en ont rien à cire. Je suis désolé, ils n'en ont rien à foutre, ça ne leur parle même pas du tout, ça ne représente rien pour eux. Alors je comprends très bien les copains qui ont passé leur vie dans ce mot gauche, parce que en plus, je n'ai pas une longue vie, militante, donc j'ai été un petit peu à l'écart d'un formatage. Parce que quoi qu'on me dise, dès qu'on passe dans un parti politique ou dans un syndicat, il y a une sorte de formatage qui se crée, et qui, je crois que ça empêche un peu les idées d'avancer. C'est peut-être bête ce que je dis, mais j'ai l'impression que trop d'instructions, entre guillemets, a tendance à bloquer un petit peu l'évolution. Et je crois que c'est un peu ce qu'on vit ce soir. Et honnêtement, pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai l'avantage de travailler dans les services publics. Je suis EDF. Et honnêtement, l'importance du mot gauche, aujourd'hui, je m'en fous. Dans chaque département en France, on a à peu près, il y a plusieurs milliers de gens, de foyers, qui ne peuvent pas payer leur facture aujourd'hui. Et je crois que ça serait beaucoup plus important de s'intéresser à ce genre de problème qu'à la taille du mot gauche. Voilà. Je voudrais réagir un petit peu à ce que disait Sylvie et me mettre un petit peu dans la ligne de monsieur. J'ai pas un texte. J'ai plusieurs particularités. Contrairement à la moyenne d'âge ici, je me suis fait
quelqu'un qui est un petit peu plus jeune. On m'a fait remarquer ça sur Facebook aujourd'hui. C'est pas de la méchanceté, c'est juste un point de vue sociologique et qu'on retrouve aussi au PRCF d'ailleurs. Et je vais parler un peu plus fort, excusez-moi. On m'a fait remarquer sur Facebook tout à l'heure, quand je publiais une photo de l'Assemblée, que la moyenne d'âge était un peu élevée, ce qui est vrai. Et au MPEP, on me l'a aussi dit. Il est vrai, une culture qui vient de la gauche, dans ceux qui sont arrivés au MPEP ou au PRCF, enfin qui se sont distingués du Front de Gauche et du Parti communiste. Et il y a ce débat de savoir si en termes de valeurs, on peut accueillir n'importe qui. D'abord, effectivement, moi, en tant que jeune homme de 34 ans qui a vu, depuis que je suis en âge de voter, que la gauche comme la droite, que c'est défini, ont fait strictement la même chose. Ils n'ont fait que démanteler mes acquis. Et à aucun moment, ils m'ont laissé une perspective de pouvoir me dire, par exemple, je pourrais faire un enfant et me dire qu'il aurait ses chances de survivre plus tard à une famine quelconque ou à une guerre, parce que je vois les choses aller de mal en pire. J'ai 34 ans, je trouve que c'est pas normal qu'à mon jeune âge, et encore je commence à avancer, de me poser ce genre de questions. Ça n'est pas normal. La question de la gauche ou de la droite n'a strictement aucun intérêt. Je vais aller encore plus loin. Je suis un royaliste et un décroissant. Royaliste, pas dans le sens où vous l'entendez, parce que ce serait long à décrire ce que je pense, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître dans les anciens régimes, la conception de la démocratie. Mais néanmoins, si je devais en retenir ce qu'on dit aujourd'hui du royalisme, c'est qu'on était à droite. On est bien d'accord. Donc ça voudrait dire que si j'écoute Sylvie, je serais même limite dans l'extrême droite, je ne pourrais pas faire partie du MPEP. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi à tous ces gens avec qui je suis interconnecté sur les réseaux sociaux, qui sont très jeunes pour la plupart, qui rejoignent le Front National ou Debout la République ou l'UPR, qui se sentent plus en osmose avec ce que disent ces partis politiques? On voit bien que le Front National ratisse énormément chez les jeunes et chez les ouvriers. Si je ne peux pas discuter avec eux, non pas pour leur dire qu'ils ont tort de voter Madame Le Pen, je m'en fous complètement à vrai dire, mais pour leur dire « Vous avez raison de vous battre contre l'Union Européenne, il va bien falloir faire un consensus pour qu'on se batte tous ensemble, quitte après à nous expliquer politiquement sur nos désaccords, quand on aura récupéré nos éléments de souveraineté. » Mais ça veut dire quoi, Sylvie? Ça veut dire que quelqu'un qui vient du Front National, vous accepteriez pas qu'il puisse rejoindre le MPEP, collaborer avec le MPEP, sous prétexte qu'il est électeur du Front National? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux que l'électeur du Front National ne se sente pas ostracisé parce que vous n'êtes pas d'accord avec... Effectivement, attendez, je vais aller jusqu'au bout parce que vous avez beaucoup parlé, madame. Vous avez... Effectivement, moi-même, je suis en désaccord profond avec toutes les idées qui sont véhiculées par le Front National, notamment du point de vue sociétal. La peine de mort, je chie dessus. Le fait de faire de l'islamophobie, je chie dessus. J'ai été élevé par un musulman, qui plus est. Donc... Je suis en désaccord profond avec ça, mais par contre je ne vais jamais critiquer ni le Front, enfin ni Le Pen, ni Asselineau, ni qui que ce soit, parce que je sais que leurs militants, ils considèrent que c'est eux-mêmes qui sont critiqués dans ces cas-là, parce que c'est leur valeur à eux, c'est leur point de vue partisan qui sont attaqués. Il ne faut pas attaquer les partis politiques et leurs représentants, il faut se contenter de dire ce qu'il y a de positif et de ce qui nous rassemble. Et moi, je suis désolé, si je suis venu au MPEP, c'est parce qu'ici, contrairement à ce que j'avais connu de l'UPR, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une certaine liberté de penser, qu'on n'est pas sclérosé au point de vue gauche-droite, qu'on peut avoir ses opinions propres, et en même temps être d'accord sur des points de vue, non seulement de souveraineté et d'indépendance, mais aussi des points de vue sociaux qui nous intéressent. Et pour moi, les questions sociales ne sont pas de l'ordre de la gauche ou de la droite, elles sont de l'ordre de l'intelligence collective. Voilà. Moi, si je devais caractériser un peu ce que j'ai entendu à la tribune ce soir, je dirais d'une expression peut-être un peu agressive, qu'elle m'évoque la bonne conscience du déserteur. Je veux dire par là qu'il y a un combat qu'il faut, à mon sens, mener, qui est celui d'une réidentification d'un concept, certes, qui est entaché d'une part par l'histoire, par ceux qui étaient supposés le porter et qui l'ont dévoyé, qui est entaché par le fait que une grande partie de la jeunesse, ne connaissant pas l'histoire, n'a plus rien à faire de ce concept. Et ce combat qui doit passer en partie par l'éducation populaire, qui est un travail lent, qui joue sur les conditions subjectives d'appropriation d'un concept assez délicat et qui ne relève pas
ce combat-là, vous refusez de le mener. Vous le désertez. Et un peu gêné, à mon avis, par cette désertion organisée, vous essayez de la cautionner par une analyse historique qui est en partie tronquée, qui est en partie faussée, qui ne retient de l'histoire que ce qui conforte votre stratégie, et que vous nous présentez ça comme si c'était une évidence, une équation magique, qu'il fallait vraiment être particulièrement sot et particulièrement attaché à des photos jeunies pour essayer de continuer ce combat. Donc je suis, vous l'avez certainement compris, peu solidaire de cette tentative générale de désertion, et je pense, moi, au contraire, qu'il faut plus que jamais, actuellement, reprendre le combat de la réidentification de la gauche. Alors, évidemment, cette conclusion que j'ai entendue m'invite à porter le combat sur d'autres termes, sur d'autres fronts, et qui sont, alors si j'ai bien entendu la fin de M. Jacques Cottin, la nation, la République. Mais je suis désolé, vous allez, d'ici quelques mois, nous proclamer qu'il faut encore déserter ce combat-là, que la République, c'est une vieille photo jaunie, que la nation a été un outil évident de la part des classes dominantes pour résoudre leurs contradictions à travers les conflits armés, et que la République, je peux vous apporter une demi-douzaine de façons de la discréditer, à commencer par la colonisation et par d'autres, je pourrais aller même vers les indigènes de la République, pourquoi pas. Donc cette désertion idéologique qui se cautionne par le fait de la déporter sur un autre combat, va vous amener d'ici très peu de temps, et j'invite les gens dans 6 mois à revenir ici entendre une pléiade d'orateurs nous dire que la nation s'est périmée, c'est un combat d'arrière-garde, et que la République aussi, il fallait vraiment être ridicule pour estimer que ça valait le coup d'y